Bonjour. Tu es censé être à Milwaukee en train de tuer votre mari. Pourquoi êtes-vous ici? On ne tue pas les gens, Sharon. Mais vous êtes tueur à cache. Personne n'est parfait. Est-ce que je te trompais? Peut-être bien que oui. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu es vraiment nul. Non! La grande mascotte nulle et un chef-d'œuvre inachevé. Oh. Extraordinaire. C'est pas les condos qui manquent. T'es trop jolie. Excusez-moi, garçon. Je suis avec cette fille et elle me plaît beaucoup. Ça peut pas attendre à demain? Voilà, t'avais un livre audio à finir? Non, désolé, j'ai dû tuer un gars dans le stationnement. Ouais, ça me plaît. Pourquoi tuer notre intermédiaire au beau milieu de la rue? Il est à moi et je vais l'éliminer. Ton gars est plutôt du genre savant autiste séduisant. Merci. Éliminer la cible est votre priorité absolue. Autrefois, il était l'un des tueurs à gages les plus notoires. Il a abandonné. Il a acquis un code moral personnel. Je croyais qu'il voulait rire quand il m'a dit qu'il venait juste de tuer quelqu'un. Les gens essaient encore de l'embaucher, mais maintenant, il les tue. Il assassine les personnes qui l'engagent. Exact. Est-ce qu'il est mort ou... Sans connaissance. Cette histoire de tueur à gages inversé. C'est fou, je sais. Le gars que je recherche depuis toujours, et là, j'apprends que tu tues du monde. Et tu dis que ce gars-là est un psychopathe au réflexe d'enfer. Tu lui plombes le visage. Les junkies de Brooklyn sont mieux armés que ça. Faut partir d'ici. C'est grave? Non, ça te va bien. Merci. Oh, oh, je crois que je suis amoureuse, c'est débile. Oh, ça oui. Je viens de réaliser que j'ignore son nom. Un homme parfait. C'est l'homme parfait.